Bonjour à tous. Bon, on se retrouve à Mallorca. Là, je suis dans le nord de l'île, pas très loin d'Alcudia, là où il y a l'Ironman qui se passe. C'est le cap de Formentor qui est juste par là-bas. Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment le côté le plus sympa de l'île. C'est super joli, c'est super bien pour faire du vélo. Il y a pas mal de choses à voir. Et ça fait une petite semaine que je suis là. L'idée, comme je vous avais dit, c'était de changer un petit peu d'air pour finir ma prépa pour l'Ironman Kalmar. Et en vrai, ici, c'était tout ce qu'il me fallait. Donc, il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions pour une petite vidéo Q&A. Vous avez été quasiment 200 à me poser des questions. Donc, malheureusement, je ne pense pas que je vais pouvoir répondre à tout. Mais en tout cas, un grand merci. Je pense que si cette vidéo marche bien, on pourra en refaire une deuxième. Ou là, je pourrais peut-être répondre à davantage de questions. Mais en tout cas, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a pas mal qui se recoupent. Donc, bon, peut-être que vous aurez une réponse à la question que vous m'avez posée. On va faire ça assez rapidement. Le but, c'est pas de passer 3 heures sur chaque question. Et on va commencer avec la première question. Comment ça va? Honnêtement, comme je viens de vous le dire, ça va super bien. Après l'Ironman Texas, après le 70.3 de Varsovie, je voulais quand même repartir sur quelque chose d'un petit peu différent. Cette prépa pour Kalmar a été différente, beaucoup plus consistante. Et là, en vrai, à une semaine de l'objectif, je suis assez chaud, j'ai vraiment envie d'y être et vraiment, je pense que ça va être une très belle course. Alors, il y a pas mal de questions aussi autour de ce que je fais en dehors des vidéos, quel est mon taf? Ça, je crois que j'avais déjà répondu lorsque j'avais fait un live après Kona. Alors, je suis avocat, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Je travaille dans un cabinet d'avocats et donc ça pouvait difficilement être plus éloigné du triathlon et du sport, mais en tout cas c'est quelque chose qui me permet d'avoir une bonne balance entre la vie professionnelle, la vie personnelle et le sport, de pouvoir faire un petit peu les voyages qui me plaisent, de pouvoir envisager de participer aux courses auxquelles j'ai envie. Et j'ai jamais travaillé ailleurs que dans un cabinet d'avocats, donc c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quasiment 20 ans. Ça ne me rajeunit pas de dire ça, mais ça fait un petit moment. Voilà, vous avez la réponse à la question. Alors, comment arrives-tu à concilier vie pro et training, donc structure, durée, horaire et vie perso? Alors, ça, c'est très simple et je pense que c'est tout simplement une question d'organisation. Dans la journée, on a quand même suffisamment d'heures pour essayer de tout caler. Alors, si on ne perd pas du temps à regarder Netflix, si on ne perd pas du temps à trop sur les réseaux sociaux, ou alors si on limite son temps de transport aussi entre chez soi et le travail, par exemple, si on optimise un petit peu tout ça, on se rend compte que dans une journée, si on enlève le temps qu'on doit dormir, pour moi c'est 8 heures, ça c'est indiscutable, il faut absolument que ce soit ça, sinon je fonctionne pas de la même manière. Mais une fois qu'on a ça, ça nous laisse quand même 16 heures pour caler un petit peu le tout. Et c'est vrai que en se levant une heure raisonnable le matin, on peut prendre le petit déj, on peut faire une bonne séance, on a le temps de travailler le midi, pareil, une séance sinon, travailler l'après-midi, refaire une séance le soir, et c'est quelque chose qui, à force, permet de mettre en place une routine. Et honnêtement, pour moi, depuis quelques temps, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Ça me permet de tout caler, ça me permet d'être présent lorsque j'ai besoin d'être, à la fois pour le travail, pour ma vie perso et pour le sport. Et en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai pas l'intention de changer pour l'instant. Alors, autre question, quel est ton parcours sportif et comment es-tu arrivé au triathlon? Honnêtement, c'est pas vraiment un cheminement qui m'a amené jusque-là. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de sport, que ce soit du vélo dehors, du foot, j'en ai fait pendant assez longtemps, du hand, j'ai essayé le tennis, j'ai pas du tout aimé, j'ai fait du taekwondo pendant très longtemps aussi, mais bon, ça faisait quand même quelques années que j'avais arrêté d'avoir une pratique sportive un petit peu suivie. J'allais de temps en temps à la salle, je faisais de temps en temps un peu de course à pied, mais pas grand-chose. Et il y a quelques années, je m'étais inscrit à un semi-marathon et la prépa m'avait bien plu, la course un peu moins parce que j'avais vraiment souffert, mais en même temps la prépa était pas idéale, mais ça m'avait quand même donné l'envie d'en refaire un autre, de continuer, et j'en ai refait effectivement un autre, puis encore un. À un moment, je me suis dit, bon, tiens, je vais faire un marathon. Et au taf, j'avais rencontré un mec qui me parlait de triathlon. Et pour moi, un triathlète, c'était un mec qui nageait, il faisait du vélo, il courait en slip. C'était un peu bizarre. Et j'avais vraiment jamais creusé. Il m'a parlé d'Ironman. Je savais pas du tout ce que c'était. J'en avais jamais entendu parler. Et en fait, j'ai regardé et ça avait l'air assez dingue pour me donner envie de le faire. Et du coup, je me suis chauffé à faire un premier distance olympique. C'était le triathlon de Paris en 2018. Et ainsi de suite. J'avais fait le M d'Embrun par la suite. Le troisième que j'ai fait, c'était le 70.3 à Nice. Et en vrai, depuis, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, que ce soit le process, que ce soit les voyages pour les courses. En deux mots, c'est comme ça que je suis arrivé là. Alors, question suivante, le swimrun t'intéresse-t-il? Et si oui, comptes-tu en faire des vidéos? Le swimrun, honnêtement, à ce stade, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Nager avec des plaquettes, avec des chaussures aux pieds, après aller courir, avec tout le matos, renager.
En vrai, c'est pas mon truc. Ça me dit juste pas pour l'instant. Après, je sais qu'il y a des épreuves qui sont assez difficiles, qui se font dans des cadres assez jolis. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment pas quelque chose que j'envisage. Peut-être par la suite, mais honnêtement, j'en suis pas sûr. Allez, question suivante. Quels sont tes conseils avec le recul que tu as maintenant pour progresser en débutant depuis zéro? Bah ça, c'est assez difficile à répondre parce que c'est une question qui est super ouverte et je pense qu'il n'y a pas un seul conseil, ni même deux, ni même trois conseils. Je pense que le premier conseil, c'est vraiment de se lancer, de ne pas avoir peur de la distance. Peu importe la distance qu'on fait, avec un minimum d'entraînement, on va réussir à nager, on va réussir à monter sur un vélo et à faire le parcours nécessaire, on va réussir à courir. Donc c'est vraiment se lancer, ne pas se dire c'est trop difficile pour moi, je vais jamais y arriver. Et ça vaut à la fois pour un sprint, un M, un 73, ça vaut aussi pour un Ironman. Il faut juste y aller, il faut juste prendre conscience que plus la distance est longue, plus la préparation va prendre du temps. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas passer de zéro à un Ironman en 2 mois, même en 6 mois. En vrai, il y a pas mal de gens qui veulent faire ça. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Il y a quand même un certain parcours qui est quand même agréable avant d'en arriver là. Mais voilà, pour moi le conseil c'est vraiment de se lancer, pas trop se poser de questions et tout simplement profiter de l'expérience, sachant que pour moi l'expérience c'est pas juste la course, c'est tout ce qui l'englobe également. Donc voilà, je pense que ça résume un petit peu ma manière d'aborder ce sport-là et le conseil que je pourrais donner à toute personne qui veut commencer. Si tu ne faisais pas de triathlon, quel sport t'attire le plus, hormis natation, vélo et course à pied? Bah, en vrai, si je faisais pas ces sports-là, au quotidien, c'est assez difficile parce que j'aime beaucoup les sports d'eau, donc que ce soit kite, planche à voile, ski nautique, wakeboard, c'est des trucs qui me plaisent bien, mais c'est pas facile de le faire au quotidien. Donc je pense que si j'avais plus de temps, si j'avais pas le triathlon à côté, je ferais peut-être, je sais pas, un art martial, que ce soit taekwondo, jujitsu, un de ces deux-là. Sinon, en vrai, à part même le sport, si j'avais plus de temps à côté de ça, je pense que je ferais beaucoup plus de musique. J'ai toujours joué de la guitare, j'en ai fait pendant très longtemps et à peu près le même nombre d'heures par semaine que je m'entraîne actuellement en triathlon. C'est un truc qui me manque un peu de pas pouvoir en faire autant, mais après, bah voilà, parfois il y a des questions de choix à faire. Actuellement, ma priorité, c'est le sport, c'est pas la musique. Peut-être que plus tard, ça va se balancer. Peut-être que plus tard, ça sera moins le sport, ça sera plus la musique. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est le sport. Et si j'en faisais pas, c'est probablement ce que je ferais, un art martial. Voilà, bah choisir lequel. Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais je pense que ça apporte certaines valeurs qui sont aussi intéressantes, comme le triathlon, ça véhicule quand même certaines valeurs de résilience, d'abnégation. Je pense que l'art martial, ça apporte aussi d'autres valeurs qui sont également complémentaires et intéressantes à avoir. Alors, quand tu seras grand, tu vas faire quoi? Bonne journée à toi. Bon, ça c'est un peu une question assez large. Quand je serai grand, donc je ne sais pas si ça sera du coup demain, dans une semaine, dans 3 ans, dans 10 ans, mais bah, déjà j'aimerais bien retourner à Kona. Ça clairement c'est un truc que j'adorerais. En termes de sport, il y a des objectifs que je me suis fixé que j'aimerais bien réussir. Ça passer sous 9 heures sur Ironman, me rapprocher des 4 heures sur 73. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que j'aimerais? Développer la chaîne, que la chaîne grandisse encore un petit peu plus, porter la bonne parole, faire connaître le triathlon un petit peu plus, partager mon parcours pour inspirer d'autres personnes, leur donner envie de s'y mettre aussi, et à leur tour d'inspirer d'autres personnes. Je pense que c'est ce que j'aimerais. Après, c'est assez vague et j'ai pas vraiment d'objectif, particulier à l'heure actuelle, mais sinon, c'est juste continuer dans cette lignée-là. Juste faire mieux qu'actuellement. Allez, nouvelle question. À quand un training camp Biarritz? Alors là, en vrai, c'est un truc que je me suis dit depuis pas mal de temps, que j'avais vraiment envie d'organiser un petit stage avec bah voilà, des abonnés, des gens qui apprécient la chaîne, qui apprécient le travail que je fais. Ça serait un beau moment pour bah, échanger, vivre une belle aventure. Mais en termes d'organisation, je pense que ça demande quand même pas mal. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Voilà, Lanzarote, forcément, ça peut être Mallorca, il y a tout un tas d'endroits. Mais clairement, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Je pense que ça peut être un bon moment de partage, ça peut être quelque chose qui soit assez sympa à vivre. On pourra faire une bonne vidéo aussi. Mais si ça vous chauffe, bah écoutez, dites-moi en commentaire et bah, en fonction du nombre de personnes qui pourraient être intéressées, on peut voir pour organiser ça. Mais clairement, c'est un truc à faire. Dans le même sens, à quand une sortie vélo, course à pied avec les abonnés?
Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à organiser. C'est quelque chose qu'on peut faire à l'occasion d'une course. S'il y a suffisamment de personnes, on peut se retrouver, on peut se faire un petit ride, une petite cape très très facilement. Après, bah, ça dépend un petit peu où est-ce que ça se passe. Je pense qu'à l'occasion, que ce soit sur Nice ou sur Paris, c'est quelque chose qu'on peut organiser. Ça peut se faire sur un post Insta, hein, pas plus difficile que ça. Donc, ouais, clairement, c'est un truc cool qu'on pourrait faire. J'y penserai la prochaine fois. Je suis un programme, mais l'amélioration vélo prend trop de temps. Que faire? Ah, là, alors déjà, je sais pas quel programme tu suis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'améliorer, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied, ça prend du temps. Donc, trop de temps, je sais pas si c'est 1 mois, 3 mois, 6 ans. Il faudrait savoir, mais je dirais qu'il y a plusieurs méthodes aussi. Donc, peut-être que la méthode n'est pas adaptée, peut-être que la méthode ne te convient pas, peut-être que la méthode ne fonctionne pas. Donc, c'est très très difficile de répondre à ça, mais en tout cas, écoute, n'hésite pas à mettre plus de détails en commentaire. Si je peux te répondre, ça sera avec plaisir. Là, c'est un petit peu difficile à répondre comme ça. En tout cas, le truc, c'est de s'accrocher, c'est de pas lâcher. Ça, clairement, il faut pas. Est-ce que tu proposeras un jour du coaching? Merci pour le partage de ton aventure. Alors du coaching, j'en propose. D'ailleurs, vous avez probablement vu sur mes tenues Altrium, qui est en fait la petite plateforme de coaching que je développe et que je maintiens à un nombre très restreint d'athlètes pour justement pouvoir encadrer tout le monde, avec des beaux résultats. C'est, il n'y a pas vraiment de profil spécifique. Il y a un petit peu de tout. Il y a des gens qui performent super bien. Il y a des gens qui veulent juste finir une course. Il y a des gens qui veulent faire leur premier triathlon. Il y a des gens qui veulent faire leur premier Ironman. Il y a des gens qui veulent se qualifier pour les championnats du monde. On a des gens qui se sont qualifiés récemment. Donc, c'est quelque chose qui est dispo. Quand il y a des places, si ça vous intéresse, mettez-moi pareil un petit message, envoyez-moi un petit message sur Insta, on pourra en discuter. Il n'y a aucun problème. Mode en forme toute l'année ou mode au top pour un objectif majeur? Alors, je pense que l'approche, c'est davantage être en forme toute l'année. Alors, pas avoir un pic de forme toute l'année, parce que ça, c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible d'en avoir 4 ou 5 non plus. Je pense qu'on peut avoir 2, maximum 3 pics de forme dans l'année. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute l'année, je peux finir un 70.3 assez fort, je peux finir un Ironman comme il faut. Alors, sauf défaillance comme j'avais eu au Texas, mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire uniquement en fin de prépa. Je vais pouvoir le faire toute l'année, donc en ce sens-là, je maintiens vraiment un niveau de forme assez bon durant toute l'année, même hors saison. Mais par contre, voilà, en termes de performance, clairement, la performance sera pas la même si il y a vraiment une prépa spécifique pour une course et j'arrive au top pour cette course-là. Encore une fois, sans défaillance, que si voilà, on me dit vas-y demain t'y vas, tu fais un Ironman, alors je vais faire la distance, mais après je vais peut-être souffrir un petit peu et je vais peut-être pas la faire aussi vite. Que penses-tu du Speedmax CF et que penses-tu du CLM XCR de chez Van Rysel? Je crois que c'est la marque du D4. Alors bah, le Speedmax CF, c'est celui que j'ai sur le home trainer que j'ai défoncé en 4 ans de l'utiliser sans forcément en prendre soin. Je pense qu'il est très bien. Il est très bien. Après, c'est pas les mêmes composants que sur le CFR. Il y a une géométrie qui change un petit peu. Il y a des composants en tant que tels qui changent un petit peu, mais ça reste un très bon vélo. Donc honnêtement, vas-y quoi. Si ça t'intéresse et que tu es sur Canyon et que le Speedmax te plaît, le CF c'est un bon compromis. Je pense qu'il y a différentes gammes où tu vas avoir différents groupes, tu vas avoir différents trous que de toute façon tu peux changer. Donc vas-y carrément quoi. Le Van Rysel, je l'ai pas essayé. Je l'ai vu, il est pas mal. Ça a l'air intéressant. Je pense que ça a l'air d'être un bon rapport qualité-prix. Je pense pas qu'ils soient encore dispo, mais pourquoi pas. Après, je suis pas nécessairement fan des premiers modèles. C'est un petit peu comme les Qcycle que je trouve super intéressant, ou alors le Cadex Tri que je trouve aussi super intéressant. C'est pas des vélos finalement que j'achèterais là parce que c'est des premières versions et forcément il y a toujours des petites choses qui vont pas, qui sont améliorées, qu'on découvre par la suite. Le Speedmax par exemple, on n'en est pas à la première version, il y a eu quand même pas mal de versions avant, donc on arrive à un produit qui est très 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 abouti. Pour le Van Rysel,
Il faut voir, il faut l'essayer, il faut avoir des retours de personnes. Honnêtement, à ce stade, j'en sais rien. Il a l'air intéressant et ça a l'air d'être un bon rapport qualité-prix. C'est la seule chose que je peux dire. Pour améliorer sa vitesse, tu conseillerais plutôt des meilleures roues ou alors des prolongateurs? J'étais pas vraiment content de ma réponse, donc j'ai décidé de vous la refaire. Je crois qu'il y a trois éléments à prendre en considération et idéalement à les prendre en considération dans cet ordre-là. Tout d'abord, trouver une bonne position aéro. Donc, ça passe nécessairement par un bike fitting. Ça peut être statique, ça peut être dynamique, sur vélo. Mais en tout cas, trouver une bonne position aéro, et ça va un petit peu de pair avec le deuxième point qui est de trouver la position aéro qui sera tenable sur la distance que vous visez, que ce soit un 70.3, que ce soit un Ironman, quelque chose qui, au bout de quelques kilomètres, va pas commencer à vous péter le dos, à vous péter les épaules. Donc, ça c'est très important. Et en réalité, comme je vous disais, les deux vont de pair. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir s'intéresser à ce qui va permettre de gagner de la vitesse ou en tout cas de maintenir le plus possible la vitesse qu'on va réussir à développer. Donc, pour répondre à la question, investir d'abord dans sa position au travers d'un bike fitting, ensuite investir sur des éléments qui vont permettre de rendre cette position confortable et de la tenir. Donc là, ça peut être des prolongateurs, ça peut être une haute selle, ça peut être tout ce genre de choses-là. Et en troisième point, ça sera investir dans les éléments autres qui permettent de gagner de la vitesse. Ça va être des roues, ça va être peut-être des éléments en céramique, des éléments plus légers, ce genre de choses-là. Mais pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le faire. La roue bâton de devant, plus aéro que la roue de 8. Alors, je pense qu'il veut dire la roue de 80. Il y a une étude dessus. Alors, une étude, j'en sais rien. J'ai pas cherché, honnêtement. La roue bâton, alors, je ne sais pas si elle est plus aéro en tant que telle. La seule chose que je sais, pour avoir essayé les deux, entre les Zip 858 NSW et la Cadex Tri 4 bâton, c'est qu'elle se... Donc la Cadex, elle se conduit beaucoup, bah alors beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Dès que tu as un vent latéral, en fait, elle bouge pas, alors que les 858, elles ont un profil énorme et le truc, c'est vraiment très, très difficile et parfois, ça peut être dangereux. Alors qu'avec la Cadex, honnêtement, il n'y a aucun problème et ça avance. En termes de performance. J'ai fait des belles perfs sur les deux, j'ai fait mes meilleures perfs avec les Cadex. Est-ce que ça veut dire que c'est grâce aux Cadex? Est-ce que ça veut dire que moi j'étais meilleur? Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai gagné en CDA au Vélodrome en essayant les Cadex et en essayant les Zip, donc l'ensemble Zip Super 9 derrière, 858 NSW devant, et pareil, la Cadex lenticulaire derrière et la 4 bâtons devant. Le CDA était meilleur avec les Cadex. Donc à ce stade, moi je dirais la 4 bâtons, mais après, voilà, c'est aussi un budget différent et c'est une approche différente. Mais pour moi, c'est clairement vers vers quoi je m'orienterai. Est-ce que tu vas tester l'Adios Pro Evo 1 de chez Adidas? Alors non, parce que 500 balles dans une chaussure, en vrai, je vois pas l'intérêt. Est-ce que ça va me permettre de courir plus vite? Clairement pas. Est-ce qu'il y a une telle différence que ça vaut quasiment 200 balles de plus qu'une paire d'Alpha Fly? Je pense pas. Donc non, je vais pas la tester. Sauf si Adidas veut me l'envoyer, je suis vraiment très ravi de pouvoir faire une review dessus et de la tester pour eux. Mais à ce stade, honnêtement, je crois pas que la chaîne soit suffisamment grosse pour intéresser Adidas. Et d'ailleurs, si vous voulez changer ça, abonnez-vous. Allez-y, quoi. Mitraillez le bouton s'abonner. Mais à ce stade, je pense pas que ça soit perdu. Alors, est-ce que tu as une rotation de chaussures? Et si oui, entre lesquelles? Alors, j'ai pas de rotation de chaussures en tant que telle. Pour l'entraînement, j'utilise les Nike, les Pegasus 40, qui sont top. Une fois que je les ai cramés, j'en reprends une paire et ainsi de suite. Parfois, pour certaines séances, je prends mes vieilles Alpha Fly ou les Vaporfly, mais j'ai pas vraiment de rotation en tant que telle. Donc, c'est ce que j'utilise. Et généralement, les chaussures, quand je les ai utilisées en course un certain nombre de fois, après, je les utilise à l'entraînement. Mais comme ça va toujours être des Alpha Fly ou autres, bah, c'est vraiment des chaussures que voilà, j'utilise pas non plus très souvent à l'entraînement. Penses-tu changer de vélo cette année ou dans le futur? Et si oui, pour quelle machine? Alors, cette année, non. Dans le futur, pourquoi pas? Et quelle machine? Honnêtement, je sais pas trop. Moi, j'attends la nouvelle version du Speedmax. Je pense que ça va être un truc de fou parce que naturellement, Canyon va aussi devoir augmenter un petit peu en gamme et se mettre un petit peu en ligne avec ce que les autres marques font. Mais j'ai pas d'autres vélos vraiment qui m'attirent. Alors, c'est intéressant le Cadex Tri, c'est intéressant le Qcycle parce qu'il y a quand même une certaine géométrie, il y a quand même certaines avancées. Mais je pense, comme je le disais tout à l'heure, que c'est des vélos qui sont des premières générations et qui doivent en fait être probablement testés et améliorés davantage.
Donc, j'ai pas envie de servir de cobaye et je préfère attendre qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte. As-tu déjà testé le capteur corps? Toi qui cherches toujours à t'améliorer, ça peut être une aide pour la chaleur. Alors oui, je l'ai testé. Corps m'avait envoyé un capteur. C'est très difficile, je trouve, en fait, d'en tirer profit, surtout d'un seul, parce qu'il n'y a pas un seul endroit, en fait, à mesurer. Il y a plusieurs endroits. Je pense que ça peut être une bonne donnée, surtout si on a une course ou un entraînement où on explose totalement et qu'en fait, on voit que ouais, la chaleur corporelle, en fait, elle était partie et c'est probablement l'une des causes de l'explosion. Mais à ce stade, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise au quotidien. J'utilise assez rarement en réalité, mais c'est une donnée qui est intéressante à avoir. As-tu déjà commencé à réfléchir à tes objectifs 2025? Alors oui, j'ai commencé à y réfléchir. Donc déjà, il y aura Challenge Roth en juillet 2025, que j'avais repoussé depuis 2024. Suite donc à mon abandon sur le Texas. Il y a aussi probablement l'Ironman California que j'aimerais faire en fin d'année. Donc ça, c'est les deux objectifs que j'aurai. Et après, entre-temps, il y aura des courses. Alors, je sais pas du tout lesquelles, mais clairement, il y en aura. Question suivante, comment choisis-tu tes nouveaux objectifs? Découverte d'un pays, sélection de parcours plat? C'est un petit peu tout en fait. Il faut que la course me plaise, il faut que ce soit dans un pays que je trouve a priori sympa, une ville que j'ai envie de découvrir. Le parcours, clairement, je vais pas prendre un truc montagneux parce que je sais que je vais en chier, sauf si c'est vraiment l'objectif de la course, genre le Northman ou l'Embrunman, c'est quelque chose qui est... Voilà, soit on le fait avec la montagne, soit on le fait pas. Donc ça, c'est différent. Mais ça va toujours être un mélange de tout, en fait. Un parcours qui va me convenir, surtout si c'est un objectif particulier, avec un endroit qui est sympa, où en plus de juste me rendre là-bas pour la course, je peux avoir la possibilité de découvrir une nouvelle culture, un nouvel endroit, un nouveau lieu, une nouvelle ville. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, nouvelle question. Quelles sont les motivations intrinsèques qui te poussent à pratiquer le triathlon et à continuer? Là, honnêtement, c'est assez difficile à dire parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Je suis une personne qui, quand elle commence quelque chose, aime le faire à fond. Donc, pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé ma limite en triathlon. Je progresse toujours. Alors, parfois, il y a des petits ratés. Parfois, ça passe pas. Mais il y a toujours de la progression. Et pour l'instant, c'est vraiment ce que je cherche, m'améliorer, voir jusqu'à quel point est-ce que je peux encore progresser et vivre aussi des expériences. Chaque course, finalement, c'est une nouvelle expérience. Chaque voyage, c'est une nouvelle découverte. Donc c'est quelque chose qui me motive et au quotidien il y a aussi le style de vie qui va avec, le style de vie qui pousse à avoir une bonne organisation, à être résilient, à se motiver même quand on n'a pas envie, à se faire un petit peu de mal lorsque on préférerait comme tout le monde juste rester dans le canapé et mettre une série. C'est un style de vie et je pense qu'à ce stade c'est vraiment l'ensemble de toutes ces choses là qui me motive et le fait aussi, je vais pas vous le cacher, de pouvoir partager un peu cette expérience et de pouvoir motiver des gens au travers de la chaîne, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis pas persuadé que j'en ferai autant, ou en tout cas que je me pousserai autant si jamais il n'y avait pas tout ce partage et tout votre support aussi, qui en fait est vraiment quelque chose d'exceptionnel et que j'aime beaucoup et pour lequel je vous remercie. Donc c'est vraiment un ensemble de choses, mais c'est difficile d'en identifier une seule, on va dire. Que penses-tu de l'évolution du niveau chez les amateurs / semi-pro? Alors là, honnêtement, c'est assez impressionnant. Depuis que j'ai commencé, il n'y a pas si longtemps, le niveau a quand même bien explosé. Après le Covid, clairement, le niveau a explosé. Je trouve que le sport est en train de se développer, le sport est en train d'attirer des gens qui avant ne pratiquaient pas et qui font que le niveau en fait de tous âges, que ce soit effectivement les premiers groupes d'âge jusqu'aux plus âgés, que ce soit chez les amateurs, chez les professionnels, c'est un truc de fou, c'est quelque chose qui devient vraiment intéressant et du coup ça force aussi à se surpasser quelque part, à se dépasser, à chercher à faire mieux, à performer mieux, parce qu'en fait, si on stagne, si on maintient son niveau, en vrai, il y a tellement de progression par ailleurs que c'est comme si on régressait. Donc, je trouve que le niveau est impressionnant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de dopage, je vais pas vous le cacher. Je pense qu'il y a des gens qui juste sont prêts à mettre leur santé en jeu, qui ont juste aucune dignité en fait et qui ont juste aucune valeur et qui vont pas hésiter à se doper. Ces gens-là, pour moi, c'est des trucs qui n'existent même pas. Enfin, dans le sens que je les considère pas. C'est leur problème. J'ai des mauvais choix, mais ça, c'est humain, malheureusement, il y en aura toujours. Mais hormis ces cas-là, je pense qu'il y a quand même énormément de personnes qui font les choses comme il faut et qui tirent le niveau vers le haut, et ça, c'est quand même assez cool à voir. Pour toi, quelle est la morphologie d'un triathlète?
Alors là, c'est pareil, difficile de répondre parce qu'en fait, un triathlète, c'est quoi? C'est un bonhomme qui va nager, qui va faire du vélo et qui va courir. Donc la morphologie du nageur, ça va pas être la même que celle du cycliste, ça va pas être la même que celle du mec qui fait de la course à pied. Et pareil, la morphologie du gars qui fait un 10K, ça va pas être la même que celui qui fait un marathon. Et pareil pour la natation et pour le vélo. Donc je dirais, la morphologie parfaite, c'est celui ou c'est la morphologie, disons, qui va permettre de faire le mieux possible les trois sports sans que un trait spécifique physique ou morphologique pour un sport qui serait un avantage soit un désavantage pour l'autre. Donc c'est trouver une bonne balance. Naturellement, on la trouve pas, on est avec, c'est très difficile d'agir dessus. Mais voilà, après de ce qu'on peut en voir, ça va être des personnes qui sont relativement élancées peut-être, avec des épaules assez larges, ça favorise forcément la natation. Un poids qui n'est pas forcément démesuré, ça aide aussi pour la course à pied, ça aide à vélo. Mais après, on a des exemples aussi qui prouvent le contraire. On a les Norvégiens, Blue, bah voilà, il a pas du tout le physique d'un Frodeno. Donc, en réalité, je suis pas sûr qu'il y ait une morphologie parfaite. On peut essayer d'identifier des points morphologiques qui vont améliorer, enfin, qui vont plutôt avantager une personne dans tel sport plutôt que dans l'autre. Et si on est dans une certaine moyenne, je sais pas si ça existe, une norme morphologique, ne pas créer de désavantages dans aucun des trois sports. Donc, de fait, favoriser dans tous les trois sports. Mais après, je suis pas sûr qu'il y ait une morphologie parfaite en tant que telle. Il faut juste faire avec ce qu'on a et essayer de faire le mieux avec ce qu'on a au final. Donc, question suivante, quel est le budget pour une saison pour un edge grouper comme toi? Alors là, honnêtement, il n'y a pas de budget, je sais pas. Donc, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est le budget, c'est ce que ça me coûte, sachant que forcément, les déplacements, si tu vas à Kona, c'est pas pareil que si tu vas à 200 km faire une course. L'environnement peut faire que ça va être plus ou moins cher en fonction de la ville, en fonction de l'hôtel. Je dirais, si on compte 3 000-4 000 balles par course, c'est probablement ce que ça doit coûter. Après, bah voilà, il y a le matériel, il y a tout ce genre de choses-là. Mais voilà, si on compte 3 000-4 000 euros par course entre les déplacements, l'hôtel, l'inscription, la nourriture sur place, les petits à côté, ça doit être à peu près dans le vrai. Pourrais-tu, s'il te plaît, détailler la nutrition vélo? Quoi, combien, etc. Alors, bah, cette question-là, et d'ailleurs, c'est la dernière, donc je ne vais pas y répondre, tout simplement parce que je vais vous faire bientôt une vidéo sur la nutrition, que ce soit bah, natation, c'est difficile, mais en tout cas, sur tout le déroulé du triathlon et avant, donc ça couvrira avant la course, natation, vélo, course à pied. Donc je ne vais pas répondre à cette question-là, mais en tout cas, vous aurez bientôt une vidéo sur ça. Bah écoutez, en tout cas pour moi, c'est fini. Encore un grand merci pour toutes les questions. Si j'ai pas répondu à vos questions et si jamais votre question sera attachée pas à l'une des questions que j'ai répondu, auxquelles j'ai répondu, je suis désolé. Mais si la vidéo vous a plu et ça vous dit qu'on fasse un autre Q&A à un moment, n'hésitez pas à me le dire et on fera ça. Allez, je vous dis à très bientôt.